Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 4 avril, Romy, Dounia Coezin, encourage Karim, Sami Garbi, à se battre pour sauver son couple. Et dans son dos, elle décide même de parler à Anna, Maud Baker. Elle lui révèle que Karim souffre de cette situation. Si Anna comprend que Romy souhaite les aider, elle estime qu'il n'y a plus grand chose à faire. Peu après, Karim offre des fleurs à Anna et l'invite au cinéma. Il souhaite lui faire revivre leur premier rendez-vous afin de réveiller la flamme entre eux. Ils poursuivent la soirée au restaurant. Si aucune dispute n'a éclaté, la magie a disparu. Après le repas, ils s'avouent mutuellement ne plus s'aimer comme avant. Karim ne veut pas qu'ils se fassent du mal ou qu'ils finissent par se détester. Ils ont été heureux et se sont aimés, mais il faut se faire une raison, ce n'est plus le cas. Anna décide donc de quitter le domicile conjugal et part dormir à l'hôtel. Nordine, Youssef Agal, n'a pas vraiment envie de se rendre à la soirée de Charlie, Clémence Lassala. Croiser Jules, Xavier Vidor, qui ne cesse de le provoquer ne le branche pas. Mais Manon, Louvia Bachelier, le convainc de venir. Dans le même temps, Jules se rend chez les Moreno pour donner un coup de main à Charlie dans les préparatifs. Mais François, Emmanuel Moir, informe sa chérie qu'il ne pourra venir pour cause de copie à corriger. Jules en profite donc pour être lourd envers Charlie qu'il drague ouvertement, jusqu'à ce qu'elle le rembarre. Ce qui ne l'empêchera pas pendant la soirée de lui voler un baiser. Il s'en prend ensuite à Nordine. Mais alors que le policier ne se laisse pas faire, Jules rétorque avec un coup de poing. Qui s'en prend au Perrault. Au petit matin, Camille, Elisa et Zedine, est prise de panique en découvrant la baie vitrée ouverte et leurs affaires sens dessus dessous. Raphaël, Jennifer Loret, tente de la rassurer et appelle la police. Elle précise toutefois qu'aucun objet de valeur ni argent n'ont été volés. Les scientifiques remarquent une substance huileuse sur la poignée de la porte-fenêtre. Il s'agit de la même graisse retrouvée sur le siège de la voiture de Sébastien, Xavier Deluc. L'huile en question leur permet de déterminer que l'homme qu'ils recherchent possède une moto. Raphaël se rend ensuite au commissariat pour informer Martin, Franck Monsigny, qu'un classeur de travail lui a été dérobé. Ce dernier fait donc le rapprochement avec le carjacking du procureur. Il est certain que les deux cambriolages sont liés. Raphaël a une affaire en commun avec son père qui pourrait aider la police. Il s'agit d'un client qui a confié sa marchandise à une société de fret qui n'a pas déclaré les frais d'import. Les douanes ont saisi les conteneurs concernés et la marchandise a été immobilisée. Les cambrioleurs cherchaient certainement des informations pour localiser lesdits conteneurs. Martin en déduit qu'ils doivent s'attendre à un cambriolage sur le port prochainement. Le soir venu, Raphaël entend un bruit provenant de son jardin. Apeurée, elle appelle Martin en renfort. Une fois sur place, le commissaire la rassure, il n'a rien repéré de suspect. Il lui propose toutefois de rester avec elle pour attendre le retour de Camille Emma, Luna Lou, mais Raphaël refuse.